Salut! Alors aujourd'hui, dans cette vidéo consacrée à Restroom Racing Experience, petite course online à la Team GTR 3 en Aquila CR Cup sur le circuit de Restroom Raceway National, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Deux courses, une de 20 minutes et la deuxième de 15 minutes en grille inversée. Donc on est assez nombreux, j'ai vu, d'après ce que j'ai vu, on est plus d'une vingtaine. Donc devrait y avoir de l'ambiance, hein. J'ai pas encore tourné, pas trop fait de setup. Donc il reste 30 minutes d'essai libre, je vais y aller. Ensuite les qualifs et nous, comme d'habitude, on se retrouve sur la grille de départ. Alors normalement le départ va se faire lancer. J'ai fait le 16e temps sur 29, on est nombreux, 29. Au milieu, hein, plus ou moins au milieu. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Ben, normalement le départ est lancé. C'est ce qui était marqué sur le forum. On va voir. Ah non, c'est pas lancé. Hein. Putain, j'ai pas la première. Putain, c'est quoi cette connerie? Pourquoi il met pas la première? Oh non, alors là... Là comme catastrophe, j'ai mis la première, putain, c'est quoi ça? Ah non, mais c'est une blague, c'est... Non, mais c'est du délire, là. Putain, ça, c'est n'importe quoi, ça. Mais dernier, hein. 29e, voilà. Magnifique, ce départ, hein. Putain, j'ai mis la première, m'a remis le point mort. Eh ben. Bon, déjà deux places de gagner. Ah. Ben, il me reste plus qu'à ramasser les morceaux, hein, comme on dit. Hein. Voilà. Plus qu'à attendre que les autres demain se mettent au tas. Putain. Putain, putain, j'ai bien mis la première, je l'ai vu le 1 sur l'afficheur. Hein. Je sais pas pourquoi il m'a remis le point mort, cet enculé. Ah putain, à combien je suis de la voiture devant, 7 secondes. J'ai intérêt à bourrer, hein. Allez, encore une place de gagner. Eh ouais, je coupe, mais bon. C'est ça ou le pousser, alors. Allez, encore un. Ce départ, mort de rire, sans déconner, t'as un volant qui m'a remis le point mort. Allez, une de plus. Ah. J'ai gagné 8 places en deux tours. Hein. C'est l'avantage de partir dernier. Encore une. De plus. Putain, j'ai lâché l'embrayage, c'est rien passé, j'étais au point mort. Là, c'est normal que l'autre derrière m'ait poussé, je bouge pas, je reste scotché sur la grille, comme une bite là. Je me suis gagné 10 places, hein. C'est déjà ça. 11, hein.
large là. Salement lui, hein. Là, reste là, salope. Ouais, il m'embrouille là, je le sais, je la sens pas bien. Ouh, je fais bien de me méfier. Bon, 16e, mais là, je suis revenu là où je suis parti. Au revoir, Daniel. Ah, c'est un petit peu fort que toi là. Il a freiné aussi fort que moi. C'est bien. Allez, encore une. Encore une. C'est manqué. Ouh, j'ai failli manquer moi aussi. Ouh, on est revenu dessus un peu. Mais au moins, il y a de l'ambiance quand on part dernier. Oh, un peu large. Oh.
trop large encore. Le point de corde, il est là. Elle aime bien, il me lâche pas derrière. Hein. Ah non, Nico Drift, comme c'était à Pacheville. Voilà. C'est Nico Drift que j'ai derrière. Je vais rester l'Indien. C'est là, c'est le suicide. Ah, c'est risqué de faire ça.
Putain, j'aurais voulu faire top 10 comme c'est grillé inversé. Je serais parti devant, ben là je vais rien partir devant du tout. Oh, puis je me suis manqué là en plus. Ah, c'est votre fils, madame. Je passe plus fort que lui là. Il faut que je garde cet avantage en passant plus fort que lui là. Devant, hein, il reste plus assez longtemps. Allez, putain, j'étais à 12 secondes, je suis plus qu'à 6. Oh putain, sa mère. Eh ouais, mais je le vois pas arriver. Hein. Je le vois pas arriver, je suis désolé. Ah, ah, coûte cher celle-là, la glissade. Arrête de me faire ça. Arrête, putain. Putain, dans les deux dernières minutes, ça s'est bien passé, hormis le départ. C'est n'importe quoi dans les deux dernières minutes. Ah putain, j'étais remonté 12. En partant dernier. Oh non, je suis plus concentré, voilà, allez, ça m'a niqué ma concentration, toutes ces conneries. Oh là 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 là. Ouais, je suis obligé de prendre à l'extérieur, sinon je me pousse. Mais c'est pas vrai! Qu'est-ce que je fais là dans les derniers tours? Putain, j'étais nickel jusqu'à maintenant! Quel boulet! Oh là là, m'a fait perdre toute ma concentration! Putain, pas une connerie pendant la course et dans les trois dernières minutes, je fais n'importe quoi! 17ème!
Eh ben, c'était pas extraordinaire, hein. Ce départ pourri, déjà, je sais pas pourquoi il m'a remis le point mort. Après, dans les trois dernières minutes, je fais n'importe quoi. Ça m'a niqué ma concentration. Ben, c'est dommage, hein, parce que je pense que j'aurais pu finir dans les 10 et partir un peu plus près sur la grille pour la deuxième course. Ben, là, ça va pas être le cas. Je vais partir, je sais pas, 15e, 17e. On verra bien. Allez, on se retrouve pour la deuxième course. Bon, ben, je vais faire gaffe au point mort, hein, cette fois. On va essayer. Sans décoller. Hein, voilà, c'est bien marqué. Hein. Tout à l'heure aussi, c'était marqué. Hein. Ben, je vais mettre la première au dernier moment, voilà. Quand les feux s'allument. Voilà, un. On est bien d'accord. Mieux. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je t'ai vu arriver derrière. J'ai vu que tu allais faire n'importe quoi. Je t'ai vu que tu allais faire n'importe quoi. Et c'est ce que tu as fait. Tu as fait n'importe quoi. Voilà. Tu as fait n'importe quoi. Tu as fait. Voilà. Et tu crois qu'il s'arrête pour nous attendre? Voilà, 21e. Magnifique. Je l'ai vu qu'il était trop près. Je l'ai vu. Ce boulet là, je sais pas qui c'est, mais tiens, boulet mon gars. Il m'a escanté la bagnole, il m'a escanté la bagnole, elle bouge dans tous les sens là. Ah, pas possible ça, j'avais pris un bon départ. Là c'est moi qui fais le coup. Je l'attends, hein, les gars, je l'attends. Hein. Bon, c'est une catastrophe. Bon, de toute façon, au point où elle en est, un peu plus, un peu moins. Putain, va. Bon, au moins, je l'ai attendu, moi. Hein. C'est la boucherie, c'est la boucherie. Culé de volant, tout à l'heure tu me mets le poids mort. Ou maintenant tu me changes la vue. Elle avance plus la voiture. Regarde devant au lieu de regarder le chrono, putain, ça m'apprendra. Ça m'énerve ce genre de course, voilà. Ça me fatigue, voilà. Tu veux me faire l'extérieur là, bonne chance. Sur le lobby sans déconner. Hop là. On va pas sur moi. Oulala, on va pas l'air. On va pas l'air bien à l'aise, quoi. Encore pire que moi.
voiture est escantée, hein, bouge dans tous les sens. Elle avance plus. Pas véhicule là. Hein. Oh, méfiance, méfiance. Ouf. Je vais arriver à le prendre comme il faut celui-là, putain de merde.
Voilà, glissade. Profite, profite, tire à plein extérieur. Salope! J'en suis, hein. Je vais l'attendre, je l'ai poussé. Allez, viens. 12 secondes, putain, ils sont loin quand même. Hein. 33 secondes, allez, c'est bon, j'attends rien du tout, il reste 3 minutes. En roue libre, voilà. Vas-y que je te change la vue, vas-y que je te change la vue, connard de volant. Et puis tous ces trucs à la con qui s'affichent là sur l'écran.
Est-ce que ça me bat les couilles qu'il soit pris un ralentissement parce qu'il est sorti de la piste? Putain, ça ne regarde qu'à lui, ça le regarde. Que ça finisse, ça, que ça finisse. Un tour, non encore. Non, c'est bon. Mais c'est, ça fait du bien quand ça s'arrête. Ben voilà, pourri, hein, pourri. Bon, course ruinée d'entrée par un gars qui m'a poussé, qui ne s'est pas arrêté, qui m'a pas attendu. Bon, bref, qui a attendu personne. Donc gros bordel dans le premier gauche, hein, voilà. Ça ressemble un peu à ce qui se passe sur le lobby. Alors moi, j'ai rien contre ce genre de course ouverte à tout le monde, mais voilà ce que ça donne, ce que ça peut donner. Enfin. Moi, personnellement, je referais des Open à la Team GTR 3, sans problème. Hein. Je joue volontiers avec eux parce que, en général, c'est bien. Mais là, bon, je parlerai pas de la première course. C'est moi qui fais le con, là. Enfin, mon volant qui me remet le point mort, c'est un enculé. Alors, j'ai mis la première. Mais là, alors, carrément, c'est abusé, quoi. C'est une boucherie, c'était, il y a des voitures partout. Bref, c'était n'importe quoi, moi, je trouve. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, ben, vous n'êtes pas difficile parce qu'elle est pourrie, je vous le dis franchement. Et partagez-la, commentez-la, et si vous avez des suggestions, vous avez le lien de ma page Facebook dans la description de la vidéo. Ciao !